Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler sur les rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux concernant l'infidélité de la femme du journaliste Papi Mboma. Alors pour l'instant, ce ne sont que deux rumeurs parce que les deux intéressés n'ont pas commenté sur cette histoire. Alors je voulais juste dire que les mariages, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Quand vous regardez la vidéo de leur mariage, les bisous que Papi Mboma a fait à sa femme et tout, on se dira que c'est un mariage de rêve et qu'il n'y aura jamais ce genre de rumeurs sur leur mariage. Mais les mariages, ce n'est pas un long fleuve et tranquille. Il y a toujours des hauts et des bas. Raison pour laquelle il ne faut pas envier les mariages. Il faut être vraiment prêt et prête pour rentrer dans le mariage parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas du tout évident, il ne faut pas envier. En tout cas, j'espère que cette histoire va rester que de rumeurs et il n'y en aura pas de confirmation. Et j'espère qu'ils vont trouver des solutions par rapport à leurs problèmes si ils en ont. Donc voilà, moi je voulais juste vous montrer cela pour dire que prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Donc, dans tous les mariages, il y a toujours des problèmes. Si nous nous parlons de cela sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'est sorti. Si ce n'était pas sorti, on n'allait pas parler. Donc, voilà. Prenez soin de vous. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bisous.